always taking care of me. You're always by my side. If you leave, you always make it back. So pretty, I can count on you. But you always taking care of me. You know that I love you, love you, love you. Love you, love you, love you. You know that I want you, want you, want you. You know I want you, want you, want you. Love you, love you, love you. Love you, love you, love you. You know that I want you, want you, want you. I want you, want you, want you. Tu goûtes d'abord et après tu me dis si tu aimes bien. Viens, Jaël, tiens. Oui, j'aime bien. T'aimes bien? Il y a de la menthe dedans. Merci Jaël, je vais tenir ça dans mes mains parce que j'ai pas envie de le mettre sur moi si ça va faire du bruit. J'ai pas encore trouvé le moyen de prendre. Mais si vous m'interrompez à chaque fois que je commence ma vidéo, je vais jamais y arriver. Hein. Mais je peux tenir, regarde, je tiens dans mes mains. Il y en a, ils vont pas aimer voir que je tiens dans mes mains, mais c'est pas mon problème, je m'en fous. Les reporters, ils font comment d'après toi? Ils tiennent leur micro dans leurs mains. Bref, allez, trêve de plaisanterie, c'est parti. La Flow Family, j'espère que ça va bien, que tu passes un agréable moment. À chaque fois que tu vois ma tête arriver sur ton YouTube, tu as déjà cliqué sur... Ma mère, c'est ma mère qui me dit qu'elle fait ça. Ma mère, elle a même pas encore regardé la vidéo, elle a déjà cliqué sur j'aime. Donc j'espère que tu fais comme ma maman. Dès que tu me vois arriver sur YouTube, tu sais que tu as passé un bon moment, tu cliques sur j'aime. Ok? La vidéo d'aujourd'hui, on va parler matériel, mais peut-être pas comme tu le penses. Bah, comme d'habitude, en fait, ouais, tout en la même chose. Tout en la même chose, on va parler de assumer son matériel. Ça t'est pas déjà arrivé de... Par exemple, t'as des gens... Attends, je vais le dire comme ça parce que ça va être plus punchy, vous allez mieux capter ce que je veux dire. C'est des fois, tu veux sortir avec quelqu'un et la personne, tu sais que ton entourage, elle va pas l'accepter parce que physiquement, c'est pas, hein, t'as capté, c'est pas ça. Et c'est pas que tu caches la relation, mais tu dis pas à tout le monde que tu es avec. Mais quand on te demande est-ce que tu es avec, tu dis ouais, c'est un pote, c'est un ami. Tu vois le délire ou pas? Ah bah tu sais, il y a des gens qui font pareil avec leur matériel. Il y a des gens, ils assument pas leur matos. Il y a des gens, ils assument pas le fait qu'ils aient un certain type de matériel comparé à d'autres. Et tu sais, c'est à cause de quoi? Alors un, c'est à cause de deux choses. J'ai dit un, c'est à cause de deux choses. Ça n'a pas de sens. En fait, en gros, moi je pense que c'est à cause de deux choses. La première chose, la plus générale pour moi, à pourquoi certaines personnes n'assument pas leur matériel, c'est parce qu'ils se référencent un peu trop à tout ce qui sort. Tous les mois, il y a un nouveau matos qui sort. Tous les mois, tu as un nouvel appareil. Tous les mois, tu as un nouvel stabilisateur, objectif. Tu as un nouveau truc qui sort presque tous les mois dans n'importe quelle marque. Okay? Et ça peut foutre le stress à certains, surtout quand tu commences, parce que tu as l'impression que tu n'as jamais le bon matériel qu'il faut. Et chaque fois que tu vas arriver quelque part, on va dire que tu arrives sur un événement, toi tu viens avec ton petit boîtier là, avec ton petit 50 mm, et t'as un mec qui arrive près de toi, il a un gros 70-200, et il te regarde en mode, tu peux te sentir bizarre. Imagine qu'on te demande de venir pour couvrir un événement, et ton matériel est plus bas, et neuf. Tu sors pas, tu fais pas pro. Si tu veux une vidéo pour savoir comment paraître pro devant les gens, en général, j'ai fait une vidéo sur ça, et je te laisse aller la découvrir. Comment être pro avec sa caméra. Bon bref, je diverge. Non, j'en ai qu'une. Bref, je me disperse, je reviens à ce que je disais. En fait, pour moi, les gens, ils assument pas leur matériel. Pourquoi? Parce qu'ils culpabilisent. Non, pas qu'ils culpabilisent, mais c'est... Comment ça dit dans la Bible? Attends, il y a un truc qui dit tu ne convoiteras point. Ouais, voilà, parce qu'ils convoitent les choses de l'autre. Ils convoitent le matos de l'autre. L'autre, il a tel Sony A7R4 avec dessus un 400-600 et toi, t'arrives, tu as 6400 avec un 35 mm dessus. L'autre, il arrive, il a un gros DJI RS4 Pro avec toute la panoplie derrière et tout. Et toi, t'arrives, t'as juste ton truc à la main. Écoute, dépendant de ton matériel, assume ton matériel. Assumer son matériel, ça peut se faire du moment où tu assumes le résultat que tu vas donner. Si tu sais et que tu es déjà conscient du résultat que tu vas donner, tu t'en fous tant que le matériel que tu as te permet d'arriver au résultat que tu as besoin d'arriver. T'as capté ou pas ce que je suis en train de te dire? Donc, ne te prends pas la tête sur le matériel que tu as par rapport aux autres. Assume ton matériel. Tu vas sur un mariage, t'as un petit boîtier, Tonton Gérard, il a un plus beau boîtier que toi, c'est pas grave. Le résultat, tant que tu fais ce pourquoi tu es venu et que le résultat est dû au matériel que tu utilises. Et c'est ça qui fera la force. Imagine, Tonton Gérard, lui, il a besoin d'acheter à 6000 euros le dernier matos qui est sorti et toi, avec un truc à 300 balles, tes photos ou tes vidéos est mieux que lui. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé sur certains plans, sur certains trucs. J'arrive, moi, j'ai un petit matos et les autres gars, ils ont des gros trucs de ouf et tout. Mais finalement, c'est ma vidéo qu'on a choisi parce qu'il y a le travail, il y a la qualité, il y a le petit côté artistique.
artistique et il y a certaines fois des choses que tu feras mieux que les autres. Et c'est pas forcément par rapport à ton matériel. T'as capté ou pas? Donc ton matériel, c'est le chemin pour arriver à ton résultat. Et parfois, faire ce que tu arrives à faire avec le peu de matériel que tu as te permettra de grandir, d'apprendre justement à pouvoir prendre du plus gros matos derrière. C'est comme on dit, avant de savoir nager, il faut d'abord voir là où tu as pied. Tu sautes pas dans le grand bain et pendant que tu es dans le grand bain, tu apprends à nager. Non, tu vas te noyer. Parce que moi, c'est une erreur que j'ai faite. C'est que j'avais été chercher un gros big setup une fois pour un projet et j'ai pas pris le temps d'assimiler le projet, j'ai pas pris le temps d'assimiler le matériel et j'ai foiré complètement le projet. Donc je suis revenu à mes basiques et là je vais te présenter l'un de mes basiques, le basique de chez Basique 1. J'assume totalement. Et il y a aussi l'autre côté, il y a l'autre partie que parfois tu as du gros matos et les gens vont te regarder et tu vas te sentir un peu, tu vois, genre ils vont se dire ouais, il a besoin de tout ça pour faire que ça. Oui, oui, j'ai besoin de tout ça pour faire que ça. Donc s'il faut que tu arrives avec ton gros, par exemple moi j'avais avec la grosse Bertha là, Bertha tu sais qui, c'est la Sika Pro, la grosse Bertha avec le gros trépied, le gros écran et tout, le casque dans mes oreilles, on me regarde en mode oui oui, je me mets en mode y'a quoi, parce que je sais ce que je vais faire avec le matériel, je me prends pas la tête. Et là ces temps-ci, c'est exactement ce que je vais faire. On prépare pour le 8 juin un moment, un événement de louange qui se fera avec Happiness Walker. Happiness Walker, c'est un groupe de chant que je suis depuis les débuts et je réalise leurs vidéos. Et c'est un groupe que j'aime beaucoup parce que la louange qu'ils font, elle t'emporte. Donc je vais te mettre quelques extraits, je te mets un lien, tu vas aller voir ce qu'ils ont déjà fait, tu vas kiffer. Donc le 8 juin, il prépare ça. Donc moi, je me suis dit, il faut que je trouve le moyen d'être à l'aise, de pouvoir délivrer une bonne captation, mais je ne voulais pas le faire avec Bertha, parce que Bertha, elle est vraiment trop... Non, Bertha, t'as trop de poids, je t'aime comme ça, mais Bertha, sur 2 heures, ça va pas le faire. J'ai testé Bertha pendant 2 heures, la tenue, soulever Bertha pendant 2 heures, les gars. Non, ça m'a fait les bras. Je suis rentré chez moi, j'étais cadavre, j'avais même plus de force pour mon épouse. J'ai dit non, j'ai soulevé Bertha pendant toute la journée, chérie, j'ai pas de force. Donc oui, t'inquiète, elle a compris, c'est compréhensible. Couple goal, t'as capté? Bref, si tu veux savoir pourquoi je dis couple goal, va regarder notre avis de famille. T'as vu comment je fais les placements, hein, pour les autres chaînes? Hein? Bon, bref, je regarde l'image là, je sais même pas si l'image est bonne, les gars, mais j'ai délivré quand même. Je terminerai par cela. J'ai été chercher mon Ronin M et je sais que c'est un ancien stabilisateur, plus personne n'en parle. Pourquoi? Parce que pareil, sur YouTube, tout le monde parle que des derniers boîtiers, des derniers trucs qui sortent et on oublie qu'il y a du matériel qui date peut-être de 2 ans, qui date peut-être de 3 ans, qui date peut-être de 4 ans, mais qui font toujours le travail, qui font toujours le taf et qui sont toujours opérationnels. N'allez pas forcément courir derrière le nouveau matos qui coûte super cher. Vous avez des matos qui sont peut-être anciens mais qui font encore le même, pas forcément le même travail, mais qui, avec lequel vous pouvez délivrer de la qualité. Je vous donne le setup que vous regardez en ce moment même. C'est mon Ronin M de chez DJI monté avec le GH5 et avec ça, je branche directement en D-Tape sur le Ronin M donc il va alimenter non seulement mon GH5, mais comme ça mon écran il sera alimenté ailleurs, mais mon Ronin et mon GH5 seront alimentés ensemble. Donc, c'est juste un délire. J'avais complètement oublié que j'avais cette option-là. Et avec ça, je rajoute mon Easy Rig, ce qui fait que je suis royal, je suis tranquille, je peux rester comme ça pendant 2 heures et après je rentre chez moi tranquille, il me reste encore de la force. Bon, je vais m'arrêter là. Les amis, ne vous prenez pas la tête sur les 2 derniers matos qui sortent. Tous les youtubeurs qui sont là, il y en a beaucoup qui se sont transformés en vendeurs Fnac ou Darty. Les gars, ils sont juste là pour vous vendre du matos. Ils vont vous dire que tel matos c'est le meilleur, tel matos c'est le meilleur, tel matos c'est le meilleur. Tout le monde court dessus. Tout le monde veut de la 6K, tout le monde veut de la 12K, tout le monde va avoir la 15K. Et la plupart des télés, personne n'a encore de la 4K sur leur télé, tout le monde est encore en 1080. Des fois, il n'y en a même pas chez vous, vous n'avez même pas la fibre en 4K. Bon, j'avoue, moi je viens de l'avoir aussi. Donc tu vois, tu vas te prendre la tête pour aller mettre genre 6000, 5000 balles dans du matos que parfois, tu vois, au standing où tu es, au niveau où tu es, tu peux encore pousser et aller au loin des capacités du boîtier que tu possèdes. Donc ne te prends pas la tête,
assume ton boîtier, assume ton matériel, assume ce que tu fais, assume ta position, assume qui tu es. Si il faut qu'avec un Canon 100D tu peux faire de belles photos, fais-le. Je connais encore des gens qui shootent sur le Canon Mark II, hein, et qui font de bêtes de photos encore. C'est des boîtiers qui ont plus de 6 ans à peu près, je crois, et ils shootent encore dessus. Regarde-moi, je suis sur le GH5, et ce boîtier là a plus de 4 ans, je sais, 2017 je crois, ouais, vers 2017 si je dis pas de bêtises, et je shoote encore avec. Alors, il y a des paramètres que tu peux mettre dessus pour le booster à mort. Tu prends une belle grosse carte de 128, tu peux mettre une 256 sa mère la poule dedans, c'est encore mieux. Tu te mets en cinéma, tu shoots en C4K all-in, donc plein full capacité. Donc par contre, tu auras énormément de données. Tu shoots en hybride, le truc gamma là, pour la colorimétrie et pour la plage dynamique. Il y a beaucoup plus de plage dynamique sur cette valeur là que sur le dessiné ou que sur le V-ciné. Et voilà, gars, si t'as un GH5, ben abonne-toi à la page parce que je vais parler beaucoup de ce boîtier là. Si t'as un C4 Pro, abonne-toi à la page parce que je vais parler beaucoup de ce boîtier là. DJI Rune M et DJI RS3 Pro. Voilà, Sony A7R3. Voilà, ce sont les boîtiers qu'on parle sur cette chaîne. Il y aura pas tant que je change pas de matos, tu me verras pas parler de d'autres. T'as capté ce que je veux dire ou pas? Mon but, c'est pas, je suis pas une page publicitaire pour les marques. C'est pas mon but. Sauf s'il y en a un qui m'envoie gentiment et qui me demande de faire un review ou un essai. Oui, je le ferai, bien sûr, s'il veut sponsoriser cette page. Oui, mais tu verras pas genre tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, je fais que ça. Non. Ici, on est en mode détente. On fait de la photo, de la vidéo, mais pas que. On parle de la vie, on parle de tout, on expose tout, on explose tout, et j'ai plus rien à dire. Voilà, c'était one shot. Bon, ben la Flow Family, c'était votre serviteur pour vous servir, et moi j'ai plus rien à dire. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager, commenter, et puis je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.